Bon, le contrôle technique, c'est ok, ça s'est bien passé, rien à dire. Le type était vachement sympa d'ailleurs, on a bien discuté. C'était intéressant, on a eu une discussion à propos de l'Adréal. C'est marrant parce que eux ils sont contrôlés par l'Adréal, ils doivent rendre des comptes à l'Adréal. Mais il avait absolument aucune idée de comment se faisait l'homologation VASP et de quel était le dossier à remplir, quelles étaient les contraintes, combien ça pouvait coûter, etc. Il n'en avait aucune idée. C'est marrant que ces deux organismes, entre guillemets, qui sont censés travailler ensemble plus ou moins pour le même truc, sont complètement compartimentés. Petite discussion intéressante. Donc contrôle technique, on est reparti pour 2 ans, donc ça c'est une bonne chose. Et aujourd'hui je vais finir un peu, je vais essayer de finir ce plaquage pour la cuisine. Demain, dernier rendez-vous de dentiste, comme ça, ça y est, c'est fait. Contrôle technique, c'est fait, le dentiste, c'est fait, les travaux, c'est en cours. Là, je me donne un mois pour finir à peu près, mois de février. Toujours sur le même spot, juste un tout petit peu plus loin. Juste à 50 mètres de là où j'étais la dernière fois. Il a un peu neigé cette nuit. Ça n'a pas tenu du tout. Et voilà. C'est ça qui est dangereux avec la Dremel. Il faut que je fasse attention parce que ça commence à être fragile un peu. C'est de la dentelle. C'est pas mal. Petits ajustements, un petit coup de peinture et puis c'est parti. Dernier rendez-vous de dentiste fait ce matin à 8h. C'est fini. On va aller faire un petit tour. Il fait très beau. Il fait froid par contre ce matin. On va aller faire un petit tour sur la côte. Sur la côte entre Théoul et Saint-Raphaël. Tout le massif de l'Estérel là qui est très découpé avec des roches rouges. C'est magnifique. Il y a plein de randonnées à faire. On va aller se mettre là-bas pour prendre le petit-déj. Je pense qu'on va aller se mettre sur le parking du Pic du Caprou. Qui est un endroit que je connais bien et qui est magnifique. C'est un départ de randonnée. Alors, on va peut-être pas faire la randonnée aujourd'hui. Mais on va se regarder le soleil se lever. Enfin, il est déjà levé. Mais... monter dans le ciel tranquillement. En buvant un petit café et puis voilà. Et puis direction le Var. Direction le Var. Et oui, c'est ça en fait. L'objectif, direction le Var. On va aller retourner vers chez Fred et Carole pour essayer de faire réparer le drone. Et ce matin,
C'est un petit peu tôt pour notre ami Argos. Qui est pas chaud, chaud, chaud. Ça, c'est le pic du Caprou. Une belle randonnée à faire. Et on a vu à 360 degrés sur donc toute la côte et puis tout l'arrière-pays de l'autre côté. Ça, c'est le genre de randonnée qu'on faisait aussi à l'époque. Voilà, il y a le Cap. Donc ça, c'est le Caprou. De ce côté, Saint-Raphaël, Antéor, et derrière Saint-Raphaël. Et de l'autre côté, donc le Traillas, Théoul qui est dans le renfoncement. On voit Cannes. Cannes et après les îles de l'Hérens. Et puis derrière, on a Antibes. Les petits matins d'hiver, au soleil comme ça, c'est juste. Un petit bonheur et on va aller se faire un petit café pour fêter ça. Bon, par contre dans les buissons c'est vraiment une véritable porcherie ici, hein. Ouais, des emballages là de partout. Petite bouteille d'eau en plastique. Là aussi c'est pareil, il y en a plein. C'est une véritable porcherie, c'est vraiment quel dommage. Les gens qui viennent faire des balades le dimanche après-midi, des randonnées, et qui balancent tout dans les buissons. Je comprendrai jamais ce truc là. Je comprendrai non plus jamais la mairie, le département, la région, enfin qui on veut, qui installe des poubelles comme ça. C'est-à-dire, autant pas mettre de poubelles du tout quoi. Quelle belle cloison. Donc l'étagère est posée, il me reste encore un tout petit truc ici pour faire la façade ici, la petite retenue. Mais l'idée donc c'était ça. Et donc là je mets des bananes, des poires, des kiwis. Peut-être que la petite coriandre va venir ici. Elle aura un peu plus de lumière. J'ai rebouché un peu la pâte à boire, donc il faudra que je fasse un petit coup pour poncer. Il y aura forcément du coup la trappe à faire, tous les petits joints Sikaflex, et puis un dernier coup de peinture. Et puis en fait ici la cloison, la découper finalement tout droit comme ça à l'équerre. Enfin bon, voilà, j'ai pas encore fini mais ça avance.
L'étagère est là, je peux déjà m'en servir, donc ça c'est cool. Petit café? Enchanté. Bonjour. Je suis un peu sur YouTube et c'est vrai. Ah ouais, c'est un plaisir de te voir. De promenade dans le secteur. Ouais, je suis dans le coin en ce moment. D'accord. C'est bien. Tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien. Bah, le toutou il est là. Il va mieux? Ça va mieux, ouais. Ça va. Bah, t'as trouvé un bel endroit là pour te poser. Ouais, bah ce matin là j'étais à Théoul. Puis je bouge dans le bar là maintenant. Je retourne dans le bar. Post-boulot, là, faut que j'aille à Saint-Raphaël. Ouais. J'étais à Cannes, mais faut que j'aille à Saint-Raphaël. Je vais prendre l'autoroute, je préfère passer par ce côté. Ouais, c'est mieux le matin. C'est toujours plus sympa. Un plaisir de t'avoir vu. Bah ben ouais. Petit cadeau. Ah, c'est vrai, c'est gentil. Ah, cool, le miel, merci beaucoup. Et bonne continuation. Bonne journée à toi. Au plaisir de te rencontrer. Ouais, ouais, carrément. Merci en tout cas. Bonne journée. Bonne journée. Ciao. Et voilà, un petit miel de châtaignier offert par quelqu'un qui suit la chaîne et qui m'a reconnu. Argos, distributeur officiel de poils.